Nous organisons parce que les jeunes, c'est le panier de jeunes. Il en manque beaucoup pour les jeunes du Gabon. Ils n'ont plus les occupations, donc ils sont obligés, comme vous voyez, de venir ce panier sur une école publique de la Sémédiane. Nous n'avons pas de parents, nous faisons nos moyens de bord, nous sommes en bas, n'est-ce pas? Qui fonctionne quelque part dans une administration municipale à Libreville et qui je mets mes petits moyens pour occuper les jeunes de l'arrondissement. Pour le moment, nous avons 16 équipes. Sur 16, nous comptons achever ça le 16 août, de plus le 17 août. Autour du foot, on renforce nos liens. On fait les connaissances entre les gens que nous ne connaissons pas. Nous voulons tous partager quelque chose autour du football. Voilà un peu ce qu'on retient sur les éditions. Voilà, les pieds attendus, le vainqueur a un trophée, une enveloppe. Et le deuxième, la même chose, le même buteur. De mon avis, je suis vraiment surpris de revoir une activité dans mon arrondissement, et plus particulièrement la zone du quartier Abeya. Cela me permet de bien dire encore que bravo à mes jeunes et surtout celui qui a eu l'initiative de le faire. Nous sommes restés sans aucune activité pour activer les jeunes. Alors si nous retombons encore dans ces conditions que nous sommes, alors ça me remonte moi aussi. Bien que je suis vieux, mais je peux encore se donner un coup de pied sur le ballon et on pourra applaudir. Alors je crois que mon quartier tout de suite va renaître à nouveau. Et je vous remercie pour avoir pensé à cela. On participe à ces championnats parce que pendant la pandémie, on n'a pas eu cette occasion-là d'avoir ce retrouvail-là en fait de jouer ensemble. Et maintenant, là, nous sommes un peu heureux, nous sommes contents d'être là. Et on remercie surtout l'organisateur et celui qui a permis à ce que nous puissions être là et nous réunir ensemble. C'est tout.